avec vous, parce que vous êtes là et puis vous avez envie de danser. Et moi, j'aime bien prendre quelqu'un dans le public et danser avec cette personne. J'aime bien passer un bon moment. Donc bon, qui est-ce qui veut danser? Pas moi. Yves, il va falloir m'aider, sinon je vais me faire taper dessus. Alors, est-ce qu'il y a des filles qui est candidate? Là? Qu'est-ce qui crie le plus fort? Bon, je crois qu'elle a gagné. Allez! Yes! En tatane en plus! Ah oui, tu vas les enlever, hein? Ouais, ouais. Comment tu t'appelles? Solène. Solène. Bonjour Solène. On fait la bise? Allez. Alors, Solène, est-ce que tu as déjà dansé? Bien sûr. C'est-à-dire? Bah, je danse tout, moi. Tout ce qui est dans son couple? D'accord. Bon alors, la première chose, c'est que quand on danse en couple, il faut avoir une espèce de un contact, une alchimie. Hein, il faut que le... Tu l'as déjà? En principe, on l'a à deux, hein. Attention. Mais bon, ok. Alors, quand je danse avec une fille, je sais dès le départ, dès qu'on se touche, si je vais passer un bon moment ou pas. On teste? Allez, touchons-nous. Les yeux, le contact avec le corps. Alors c'est pas mal, non c'est pas mal. Alors un tout petit point technique. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors un petit point technique. Lorsque tu conduis ton chariot, ton caddie à monoprix, hein, tu le gardes devant toi. Donc là c'est pareil, il va falloir que l'intermédiaire entre nous deux c'est le cadre. Donc tu laisses ton caddie devant, tu es généreuse, tu me donnes tes bras. Et surtout tu ne fais pas... Il s'approche de moi. Ça peut être volontaire, je sais pas, mais... Donc on réessaye, mais tu dis... Hé, hey, Coco, on ne se connaît pas. Tu peux les baisser, hein. Pousse, 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 tu peux les baisser. Je dis au micro. Ah! Là, c'est très bien. Là, on se sent bien. Hein? On va pas se manger. Ok. Enfin, on sait pas si on va se manger pendant la danse. Bref. Donc là, on a un bon contact. J'ai pas utilisé le bras parce qu'elle me donne son cadre, ses bras. Donc bon, eh bien, si on faisait une petite improvisation. Moi, je dis que c'est sympa. T'as déjà chaud? T'as vu comment on transpire là, sous le soleil de Colmar? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais dire quelque chose, Yves? Non, j'ai fait fuir. Bon, il est jaloux. Hein, il est jaloux, c'est ça? Ok, ah, il veut récupérer le micro. Je pensais qu'il voulait te récupérer, toi. Bon, alors... On y va, on va faire une petite improvisation. Là, je veux bien qu'on prenne mon micro, par contre. Voilà. Alors, au départ, quand on dit stop, boum, musique. Ok? Merci. Mesdames et messieurs, Solène.
Solène. Ah oui, alors je te l'amène, Maxime. Et donc je l'ai invité ce soir pour une dégustation à l'apéro vino à 19h avec vous, bien sûr. Et donc elle est comme mamie Dédé, elle est invitée d'honneur. Non, non, viens, Katrina, viens, viens. Viens. Bon, on peut quand même saluer, hein. On va quand même saluer, une petite improvisation quand même. Voilà, c'était vraiment bien. T'avais jamais dansé en couple? Eh, hey. Pas mal du tout, hein. Alors, Catherine, à côté de moi. Alors, vous savez que la Foire au Vin a un site internet très très développé, des réseaux sociaux. Donc, nous avons avec nous Arnaud qui gère le site de Facebook de la Foire au Vin. Et nous allons donc effectivement... attendez, devant le public, non, le public derrière, pour vraiment montrer, ils sont venus très très nombreux. Allez. Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut faire une pause un peu folle? Un peu folle, allez, tout le monde, décalé, allez, vous montrez que vous êtes contents. Merci Arnaud, merci Solène, merci Katrina, merci.